Voilà. Donc, bonjour à tous, un re-bonjour. Merci d'être là ce matin. Donc, l'idée là, c'est de démarrer un webinaire ensemble qui est sur la thématique des finances. Donc, à l'instant Z, on a la joie d'avoir 4 thématiques par an. En tout cas, on a bien envie d'essayer d'animer 4 thèmes qui sont suivant ce qu'on a en ce moment comme réalité, ce qui est vivant chez nos clients. Ce qu'on vit aussi à l'instant Z et on se dit partageons-le. Et puis ce dernier trimestre de l'année 2024, on a envie de s'intéresser aux finances. Comment incarner sa gouvernance partagée, ses valeurs dans son pilotage, comment piloter son organisation, ses projets. Et puis j'ai le plaisir d'être avec Sophie ici qui est notre invitée pour ce webinaire parce qu'on démarre Bonjour. par l'essentiel, c'est en fait de s'occuper de son rapport à l'argent. Donc là, on est dans un thème qui est transformer votre rapport à l'argent pour ensuite piloter votre organisation. Tac, slide suivant. Et en fait, ce webinaire, il s'adresse à tout le monde, en fait, justement, parce qu'on parle de son rapport à l'argent, rapport à soi. Donc, qu'on soit dirigeant, en reconversion, salarié, employé, dans une association, en fait, ça va vraiment toucher tout le monde. Et on verra pourquoi plus en détail. Je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais c'est vrai qu'on a quelques habitués ici et c'est chouette de vous accueillir toujours. Donc moi, je fais partie de l'Instant Z depuis l'année dernière. Ça fait plus d'un an et demi. Et puis, j'ai plutôt une casquette RH, en tout cas dans mon parcours avant. Donc, j'ai commencé dans le recrutement, dans des grands groupes à l'international. J'ai eu différentes fonctions RH. Gestion de la performance, carrière, formation, etc. Puis après, j'ai eu vraiment un passage, si j'ose dire, qui a été assez transformant, en tout cas, dans mon parcours professionnel. Et c'est que j'ai mis en fait en place une fonction que j'appelle People et Culture, assez innovante dans la gestion des ressources humaines, qui mettait vraiment l'humain au centre avec des processus qui développent l'autonomie, la responsabilité, le mieux faire ensemble. Et puis après, c'est assez naturellement, du coup, que je me suis encore plus spécialisée finalement dans les pratiques, les gouvernances, les modèles émergents. Et donc, j'ai rejoint l'Instant Z en 2023. Et comme je vous partageais, j'ai le plaisir d'être avec Sophie. Ici, que je vais présenter. D'abord, je vais partager que Sophie, je la connais parce qu'en fait, j'ai fait ce travail moi-même l'année dernière que je qualifierais d'assainir ou d'aller voir en fait mon rapport à l'argent dans une période où, justement, en fait, après ce moment en fait en entreprise, je me suis dit, tiens, si je me mettais à mon compte, si moi-même, en fait, je vais offrir des services, comment, en fait, j'estime la valeur, qu'est-ce qui se passe? Et ça chamboule. Donc, j'ai eu la chance de découvrir Sophie sur mon chemin. Et puis, c'est naturellement que je voulais l'inviter pour ce thème. Donc, Sophie, elle a d'abord fait un passage assez long chez Danone pendant 20 ans dans différentes fonctions, que ce soit la R&D, supply chain, communication, innovation, marketing. En 2013, il y a un peu ce côté charnière de passer la certification de coach professionnel et puis création de son entreprise en 2015 qui s'appelle Soliman Coaching avec l'accompagnement des transformations, dirigeants, managers, vision. Et puis 2024, si on fait un petit focus sur aujourd'hui, cette année, il y a tout un parcours qu'elle nomme En chemin pour s'accomplir. Dont tu parleras, si tu veux, plus amplement, Sophie. Et puis, ce qui est vivant aujourd'hui chez Sophie, c'est justement de mettre un d'aller encore plus, si j'ose dire, dans tout ce qui est vivant, entreprise à visée régénérative et lien avec la nature encore plus proche. Donc, voilà. Bon, c'est Sophie qui m'a demandé que je la présente. Je me suis dit, je vais essayer pour qu'elle Bravo. parle qu'après. Ça va? Je n'ai pas dit des Nickel. bêtises. Merci de l'avoir fait. Et donc, avec plaisir. Et donc, à l'instant Z, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, en fait, on a à cœur d'aider les organisations, entreprises, associations, différentes tailles en France, en Suisse, d'accompagner, de donner des formations pour qu'en fait, on regarde avec nos yeux un petit peu nos différentes casquettes et expertises. On regarde où il y a des dysfonctionnements, il y a des tensions, il y a des choses qui grattent, qui gênent. Et puis avec des outils, des processus, avec en effet de la formation. Et je vais passer déjà au slide suivant et notre façon de voir les choses qui est une approche intégrale de la gouvernance.
qui prend en compte justement six dimensions pour nous qui sont essentielles, celle du sens, où on s'attelle finalement à comprendre, voir et poser des bases qui sont en lien avec un cadre éthique, des valeurs, une stratégie. On s'occupe ensuite aussi du plan. Le rêve, c'est la stratégie. Après le plan, comment on va fonctionner? On va se répartir en cercles, en rôles. On va construire tout ce paysage finalement pour pouvoir ensuite bien opérer. Et puis après, on est dans l'action, en effet, l'opérationnel, les petits rouages, mettre un peu d'huile dans les rouages, avoir des projets. Et les deux derniers espaces qu'on comprend, et c'est un peu une approche systémique finalement, c'est l'espace célébration. On vient regarder bah, qu'est-ce qui a marché, moins bien marché, des pistes d'amélioration pour être dans l'amélioration continue. Et tout un espace relation qui a été formalisé assez dernièrement chez nous, qui prend en compte différents outils et processus aussi, que ce soit la médiation, l'inclusion, l'onboarding, on peut appeler aussi tout ce qui est cadre relationnel. Les 3P, permission, protection pour plus de plaisir et de performance. Et puis, possiblement, bah, la fin du cycle aussi, quand on est dans l'association, l'organisation, de quitter aussi, ce qui est OK, mais d'avoir des processus pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est un peu notre façon de travailler, notre carte, si j'ose dire. Et puis, donc j'ai le plaisir d'être avec Cécile ici, qui a rejoint le webinaire. Et on est 8 à l'instant Z, donc en France et en Suisse. Et dans ce webinaire, on va avoir le plaisir de brosser un peu ces petits sujets. On a essayé de, voilà, de vous proposer quelque chose. Ça va surtout être une conversation avec vous aussi. Donc, il y aura d'abord Sophie qui va partager, et puis après, on prendra toutes vos questions-réponses vers 11h15-20 maximum. En tout cas, on va d'abord regarder bah, le fait on a tous une relation particulière à l'argent. Quels sont tous les mouvements, justement, qu'on a en lien avec l'argent? Et puis l'impact sur nos comportements. Qu'est-ce que ça change, influence, fait de nous? Et puis un temps question-réponse. Et je te laisse la parole, Sophie. Merci, bonjour à toutes. Je n'ai pas la vision de tout, mais je crois qu'il n'y a que des femmes. Il y a Jérôme. Je vois Ah, prénom pardon. Jérôme. Ah, Jérôme Je qui était crois qu'il y a arrivé. des Bon. hommes aussi. Oui, je représente la frange masculine, Ah, excusez-moi. bienvenue alors. Merci d'être Bienvenue. là. C'est notre collègue de l'instant Z aussi. Ouais, merci d'être là. C'est parti. alors, bon, merci de m'avoir présenté un petit peu avant. Marche, je reste là. Ouais. De faire cette introduction aussi par rapport à la photo que tu avais choisie, on s'en était pas parlé, mais qui est très importante pour moi en fait. Parce que faire cette conférence, pour moi, c'est très en lien avec le vivant. Et de comment transformer notre rapport à l'argent peut contribuer à transformer peut-être le monde dans lequel on vit, où l'humanité vit largement au-dessus de ses moyens, si on voit. Où en est le système économique aujourd'hui mondial, l'inégalité de répartition des richesses et cette soif de croissance à tout prix, alors qu'il y a des effondrements des systèmes vivants, des espèces, de la biodiversité, un effondrement des ressources énergétiques et même des ressources humaines, si j'en vois les dirigeants que j'accompagne qui n'arrivent pas à recruter, et si j'en crois aussi des personnes. Qui viennent, qui passent mon bureau en me disant je ne me sens plus vivant dans mon travail, je ne fais pas mon métier de cœur. Et voilà, du coup, je trouve que remettre cette conférence en perspective d'avant de transformer le monde, peut-être se transformer nous-mêmes dans notre rapport à l'argent. En tout cas, c'est avec cette intention que j'arrive là devant vous. Et du coup, de parler de vous d'abord et de revenir à vous là pour démarrer cette conférence en vous posant cette question. Quel est votre degré de sérénité dans votre situation financière actuelle? 0, pas du tout serein ou sereine, et 10, très serein et sereine. Voilà, je vais m'arrêter un instant pour que vous preniez ce temps de trouver votre note intérieure et effectivement de la mettre dans le chat quand vous êtes prêt. Voilà, on a un 6 déjà. Un 8, un 4. 8. Un 8, j'ai entendu. Un 7. On est plutôt sur la moitié Voilà, haute, si tout le si monde j'ose vraiment dire. sentir hein, sa note, peut-être avant de toutes les dire. Tout le monde a voté là? Oh. Je pense, ouais, on en a. Je n'ai pas compté, mais on en Nathalie, a, ouais. Cécile, ouais.
Donc voilà, est-ce qu'il y a plus de personnes en dessous de 5 ou plus au-dessus de 5? Au-dessus, on OK. est sur 8, 8, 7, 6, 8, 8, 7, 7, 4, 8, 6. Bon, alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note, puisqu'elle est juste, puisque c'est votre note et c'est comme ça que vous vous sentez à l'instant. Ce que j'observe, c'est que cette note n'est pas souvent en lien avec la situation financière des personnes. C'est-à-dire que je peux avoir des personnes qui ont une situation financière plutôt avec de l'argent de côté ou plutôt OK, mais qui ne se sentent pas sereins à l'intérieur. Et à l'inverse, je peux avoir des personnes qui ont des difficultés financières, mais qui se sentent sereines. Donc ça, c'est très en lien avec le fait que nous avons peut-être... Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas tous et toujours sereins, quelle que soit notre situation financière? Et ça vient du fait que cette sérénité, elle est avant tout intérieure. Et que pour transformer, peut-être, bah, tu peux passer si tu veux, pour transformer, tout commence à l'intérieur de nous-mêmes. Alors comme je viens de Danone, comme vous l'avez vu dans l'introduction, je me permets de dire que c'est comme l'effet bifidus actif de Danone, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et que ben, mes intentions pour cette conférence, c'est peut-être de mettre d'abord en lumière comment votre argent... Voilà, mieux comprendre comment fonctionne l'argent. Oui, c'est la diapo suivante, Nathalie, si tu veux bien. Mettre en lumière et mieux comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et peut-être de faire un pas de côté, de changer de regard sur votre rapport à l'argent, sous un angle que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir, de parler d'argent, déjà d'oser en parler. Sur un sujet aussi universel et émotionnel que celui-ci. Donc, je n'ai pas la vérité. Je vous propose d'en parler d'une manière qui me vient de Peter Koenig et Christian Junot, deux personnes qui ont parlé de la relation à l'argent. Voilà, juste après. Nathalie, si tu veux bien passer. J'ai perdu Nathalie. Non, non, moi je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que les autres, vous m'entendez? Ça a coupé. Ah, Ah ouais, c'est moi qui ok. vous avais plu ou... Je crois, mais je ne suis pas sûre, je ne sais pas trop. J'en suis au slide de Peter Koenig et Christian Junot. quand je disais de poser un autre regard sur l'argent à travers le fait que, en fait, peut-être de prendre conscience que nous avons tous une relation particulière à l'argent. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une relation où on n'est pas à parler d'argent quand il s'agit de... d'aller acheter, dépenser, quand il s'agit de payer ses impôts, quand il s'agit de payer des factures, de fixer un prix avec un client, mais même dans nos familles, quand il s'agit de succession, d'héritage, de donner de l'argent de poche à nos enfants. Voilà, ça nous ramène à cette relation à l'argent et au fond, qu'est-ce que ça dit de nous? Et donc, je vais me baser sur deux personnes qui s'appellent Peter Koenig et Christian Junot, qui ont fait des travaux. Peter Koenig a été le premier dans les années 80 à faire des travaux sur la relation à l'argent. Il s'est endetté pour ça. Et c'est lui qui a déterminé que nous avons des comportements selon ce que l'on projette sur l'argent. Et que la bonne nouvelle, c'est que ça peut se transformer. Et qu'au final, parler d'argent, ce serait parler d'amour. Et comment mettre l'amour au cœur du business plutôt que l'argent. Donc, ils ont formé des spécialistes de la relation à l'argent dont je fais partie. Mais ce n'est pas que le cœur de mes activités, l'argent. Ce dont je me suis rendu compte, moi qui accompagne des êtres avec le parcours en chemin pour s'accomplir, pour que les personnes puissent trouver leur place, leur contribution unique en lien avec leurs valeurs, leur nature profonde, c'est que l'argent peut être un frein. Et en tout cas, ma conviction profonde, c'est que l'argent n'a pas été inventé pour nous empêcher de nous déployer, pour nous empêcher d'être ce que l'on est sur cette terre et de contribuer et d'apporter ce que l'on a apporté. Du coup, je me suis formée en tant que spécialiste. Et du coup, voilà, je vais vous partager une partie aussi de ce qu'ils m'ont transmis. Alors, je voudrais que vous me disiez là, spontanément, dans le chat, un mot que vous associez à l'argent. L'argent, pour moi, c'est un ou plusieurs mots. Allez-y, mettez ce qui vous vient. Alors, l'argent, c'est la sécurité, liberté, énergie, sécurité. C'est rare, opportunité, abondance, c'est un moyen.
C'est une possibilité. C'est fluctuant et charge mentale. Sécurité, action. Possibilité, en effet. C'est joyeux. C'est un champ des possibles. Ok, donc encore une fois, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais vous voyez qu'il peut y avoir des attributs de l'eau clivant. Me dites quand vous avez terminé. Ok, donc, on peut voir que vous y mettez des attributs sur l'argent, en fait, et qui peuvent être diamétralement opposés. Et donc, effectivement, entre la sécurité, ce qui ressort très souvent, la liberté, l'indépendance, le bonheur, le plaisir, et aussi, on peut avoir à l'opposé quelque chose de plus négatif, comme c'est clivant, c'est une charge mentale, c'est une source de problèmes, c'est même, ça peut être une source de conflit dans le monde, justice. Et il y a aussi quelque chose de plus neutre autour de c'est un moyen. Mais vous voyez qu'effectivement, l'argent est un moyen. L'argent est un moyen neutre. Mais on y projette plein d'autres mots que vous avez là. C'est ce qui fait bien qu'on a donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Et qui est qu'au départ, l'argent, c'est juste un moyen neutre. C'est la slide d'après, Nathalie. C'est-à-dire que c'est un facilitateur de transactions. Il nous permet d'échanger entre un acheteur et un vendeur. Et il est simple d'utilisation parce qu'il a remplacé le troc. Hein. Si vous deviez payer vos concerts ou vos formations en troc, ce serait compliqué aujourd'hui. Il est reconnu par tout le monde. Et voilà, il nous permet d'échanger. Et il a une deuxième utilité qui est d'étalonner la valeur des choses, de pouvoir tous se positionner face à un achat, se dire, voilà, c'est telle valeur, est-ce que je peux me permettre ou pas d'acheter? Voilà l'utilité de l'argent. Donc c'est un moyen neutre, c'est un écran blanc sur lequel, au lieu que ce soit neutre et blanc, nous avons projeté finalement autre chose. Est-ce que nous projeté, c'est notre sécurité, notre liberté, mais c'est aussi peut-être une charge mentale, une source de conflit. Et donc en fonction de ce que l'on projette, nous n'avons pas les mêmes comportements face à l'argent. Et ça, c'est un point peut-être déjà peut-être pas accepté, mais à admettre, ou en tout cas ce que je vous suggère de regarder, c'est ça. C'est que cet argent, qui est censé être neutre, on lui a donné un pouvoir, on lui a enlevé son utilité première en y mettant plein d'autres choses. Sachant qu'il y a plein de choses dans la vie auxquelles on ne peut pas donner de valeur. Ce serait quoi, selon vous? Vous pouvez partager dans le chat. Je Oui. vois la vie, l'amour. Oui. L'amour, oui. Oui, les êtres, Les personnes. effectivement. Oui. La nature. Exactement. Un coucher de soleil, un sourire, l'amour, ça, d'où l'expression, ça n'a pas de prix. Et du coup, voilà, prendre conscience de sa relation à l'argent, c'est prendre conscience que vous projetez des croyances, des peurs sur l'argent et que ça vous fait avoir des comportements en lien avec ce que vous projetez. D'ailleurs, je vais vous demander là de réfléchir à peut-être des comportements que vous avez avec l'argent qui sont complètement irrationnels. Ça peut être alors parfois on a plus de facilité à aller voir chez les autres que chez soi. Donc voilà, prenez ce temps-là et puis vous nous partagerez celui que vous avez envie de partager dans le chat ou peut-être à l'oral. On est un groupe assez peu nombreux, donc ça peut se faire comme ça. Donc comportement irrationnel, ça peut être quand il s'agit de faire des dépenses, il s'agit de payer vos factures, de faire vos comptes aussi. Ça peut être quand il y a les soldes, mais ça peut être aussi quand il s'agit de recevoir, quand il s'agit bah, tiens, de recevoir de l'argent ou même de relancer un client pour des factures impayées. Voilà, comment vous faites, vous, et qu'est-ce qui vous semble irrationnel aujourd'hui?
On va vous laisser peut-être 1 minute pour y réfléchir et puis quand vous êtes prêt, vous pourrez partager à l'oral. Rien dans le chat pour l'instant, donc je ne sais pas si quelqu'un veut partager. Ah si, ça y est, j'ai quelque chose. Est-ce que tu veux que je lise, Sophie? Oui, Ou tu lis on peut toi comme peut-être tu veux. même le faire à l'oral, je pense, parce que on est peu nombreux, donc si on peut avoir Allez, qui veut 2, 3 témoignages. partager? Avec plaisir. Bon, bah moi je veux bien parce que c'est moi qui ai écrit sur le chat. Merci. Bonjour à tous. Oui. Alors moi du coup, ça va être quand on me demande d'évaluer le prix de mon travail, je vais être incapable de donner un chiffre, je vais dire donne-moi ce que tu veux. Merci Ou du partage. par exemple, quelque chose, quand c'est moi qui ai parlé de charge mentale, tant que j'ai, je ne me soucie pas de l'avenir, dès que j'ai plus, et là c'est le stress, j'attends d'être au pied du mur avant de réagir. Voilà. Oh, c'est Merci. ça. Merci du partage. Oui, fixer un prix quand on est entrepreneur, c'est tout un art. Et ça parle vraiment de notre relation à l'argent et de nos peurs associées. Ouais. Merci beaucoup du partage. D'autres partages? Vous. Je peux lire sinon dans le chat, dépenser plus d'argent en début de mois ou acheter sur un coup de tête. Oui. Oui, merci. C'est aussi typique des comportements quand il y a les soldes. D'acheter parce qu'on pense que c'est voilà, parce que c'est moins cher, c'est soldé, mais on n'en a pas forcément besoin. Ça, c'est bien irrationnel aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je veux bien, moi c'est la peur, c'est le contrôle en fait, le contrôle constant sur les comptes avec une réelle angoisse, j'allais presque dire ce mot-là, quand par exemple on est dans le rouge quoi. Alors moi ça me met en insécurité, ça limite, voilà. Et puis effectivement, évaluer pour soi quand on fait une prestation, c'est compliqué en tant qu'entrepreneur ou autre. Mais ce que moi, j'ai beaucoup de difficultés parce que ça se déploie de plus en plus, c'est tout ce qui est dit en conscience libre. Alors là, pour moi, c'est toujours très compliqué d'évaluer ce que vaut le travail de la personne, quoi. J'ai toujours peur d'être en dessous, enfin bon, voilà. Oui, merci Myriam du partage. Alors sur les comptes, il peut y avoir pareil, j'observe des comportements diamétralement opposés entre les personnes qui maintenant sur leur smartphone contrôlent 10 fois par jour où ils en sont sur leur compte et des personnes qui ne font jamais leur compte. Là, ça parle bien aussi de qui on est plutôt que de l'argent lui-même. Parce que l'argent, je vous rappelle, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais où est votre argent? Ce sont des chiffres à la banque la plupart du temps. D'ailleurs, est-ce que vous avez de l'argent liquide sur vous? Très Oui, peu. non, très peu. De moins en moins. Et votre argent, donc, pour lequel vous vous inquiétez parfois, ce sont des chiffres dans une banque basée sur des promesses, en fait, hein, qu'on vous prête votre argent. Et donc, la manière dont nous faisons nos comptes, c'est quand même assez révélateur aussi de nos mouvements avec l'argent et de nos peurs inconscientes, effectivement. Et alors, le prix en conscience libre peut être un piège, effectivement, qui parle à la fois de la personne qui propose ça et pourquoi elle le propose. Est-ce qu'elle est à l'aise pour elle-même percevoir sa valeur et la valeur de ce qu'elle apporte? Ou est-ce que c'est plus facile de dire donnez-moi ce que vous avez envie? Et ça met en plus en difficulté l'autre personne qui, selon son degré de sérénité vis-à-vis de l'argent, peut dire mais je ne sais pas faire.
Et effectivement, une des clés par rapport à ces comportements irrationnels, si je vous propose cet exercice, c'est déjà de s'observer avec bienveillance et d'oser en parler. L'argent est un vrai tabou. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience hier soir, j'avais une conférence devant le club des jeunes dirigeants de Chambéry. J'ai oublié de dire que je suis basée à Chambéry, en Savoie. Et je fais faire une expérience qui est de partager nos revenus. Alors, je sais pas, vous pouvez le faire à Noël en famille, c'est sympa comme exercice, vous pouvez tenter l'expérience. Mais en tout cas, bah, dans cet exercice, bah, il y en a toujours qui sont plutôt à l'aise et d'autres pas du tout à l'aise. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y en a qui gagnent plus que d'autres, ça c'est sûr. Et donc, ce n'est pas le chiffre le problème, c'est ce qu'on se dit à propos de ce chiffre, l'histoire qu'on se raconte de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Il y en a toujours qui sont honteux parce qu'ils gagnent plus ou d'autres qui sont honteux parce qu'ils gagnent moins. Voilà. Et donc, vraiment, on a cette conscience que déjà, en parler des prix, oser parler de ses difficultés à poser un prix, oser parler d'argent, c'est déjà un premier pas pour transformer. Parce qu'en fait, avec le sexe et la mort, l'argent est un des sujets les plus tabous dans nos cultures. Notamment la culture française, mais en Suisse, l'autre fois, dans un de mes groupes, la personne qui a eu du mal à partager ses revenus, c'était une personne qui habitait en Suisse parce qu'elle avait des revenus très hauts par rapport au reste du groupe français. Comme quoi, voilà. Hier, on me disait, ouais, ça dépend des cultures. Oui, parce que ça fait le pont avec le slide d'après, qui est que finalement, on a tendance à se focaliser sur le visible, la partie visible qui est notre chiffre d'affaires, nos prix, notre revenu, notre réussite. Le nombre de clients que nous avons, le nombre de posts éventuellement sur les réseaux sociaux, parce que la visibilité nous fait bien travailler aussi notre relation à l'argent. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et ça ne va pas sans la source intérieure de notre identité, de nos valeurs, de nos croyances, de nos loyautés familiales, de l'estime de nous-mêmes et de nos peurs, de nos désirs profonds. Et donc, prendre soin de sa relation à l'argent, c'est prendre soin du fait qu'on a à s'occuper de tout ça. Et notamment quand nous sommes entrepreneurs, dirigeants de notre entreprise, mais aussi peut-être à des postes en activité au sein d'une organisation, cette responsabilité de se transformer soi, de prendre compte autant de l'intérieur que de l'extérieur, nous permet d'aligner tout ça en fait. Et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc, j'allais vous demander si vous aimez l'argent. Est-ce que vous pourriez dire comme ça, j'aime l'argent? Essayez pour voir ce que ça fait. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre micro. Essayez devant la caméra de dire, j'aime l'argent. Et dites-moi plutôt ce que ça vous fait. Voilà. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou pas à l'aise? J'adore l'argent. Pas génial, hein, pour Nathalie. Pas à l'aise du Est-ce que vous tout, avez ça essayé? Je ne va. vous vois pas tous. Je vais faire un petit zoom pour voir si vous le faites. Il y a beaucoup de caméras cachées. Voilà, on les a perdues. Ou alors, surtout. C'est abstrait, pas à l'aise du tout, ça va. Ça va être. J'adore l'argent. Ça y est, je Bon, ben, en fait, si l'argent. Si on prend conscience qu'on a une relation à l'argent, bah, si on n'aime pas d'argent, l'argent, on va peut-être pas l'attirer du tout. Et si on l'aime trop, on va s'accrocher à l'argent. Donc moi, ce que je vous invite à regarder, c'est d'aimer l'argent pour ce qu'il est, ce qu'il vous permet, et de prendre soin, comme vous prenez soin de votre relation à vous-même, de prendre soin de la relation aux autres que vous aimez, de prendre soin à la relation à la nature ou au monde, finalement, prendre soin de sa relation à l'argent, c'est prendre soin de vous. C'est prendre soin de votre relation au monde. C'est prendre soin de votre relation aux autres, parce qu'avec les autres, il y a aussi une relation à l'argent quand vous discutez avec votre famille ou avec vos clients, comme je disais en introduction. Il n'y a pas un endroit où on ne parle pas d'argent. Même quand vous allez au restaurant, dans les comportements irrationnels, je n'ai pas eu la note et l'addition au restaurant, mais c'est souvent le sketch de Muriel Robin. Mais l'autre fois, dans ma conférence, il y a un monsieur qui a osé témoigner. Que lui, il anticipe systématiquement le moment de l'addition parce qu'il a trop peur de ce qui va se passer, donc il paye pour tout le monde. Bon, ça le met en difficulté suivant le niveau de resto qu'ils ont choisi au départ. Mais vous voyez, ça, c'est complètement irrationnel.
Et ça parle plutôt de sa relation aussi aux autres et qu'est-ce qu'on va penser de moi. Du coup, voilà, peut-être un petit peu de théorie sur les comportements en lien avec l'argent maintenant. C'est que le pas aussi que vous pouvez faire, c'est d'identifier dans quel mouvement vous êtes, parce que selon le mouvement dans lequel vous êtes, peut-être on les met un par un, Nat, si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Le premier, c'est l'écureuil. L'écureuil, bah, comme ça paraît évident, mais l'écureuil, il a toujours à cœur de dépenser moins qu'il ne gagne. Donc, il fait des économies. Il fait des économies et dans ce mouvement écureuil, il y a la notion qui est en lien avec le plaisir que l'on peut se permettre et s'offrir dans la vie. Alors, certains peuvent se faire des plaisirs récurrents et réguliers, mais toujours dans le souci d'économiser. Et d'autres se font jamais de plaisir ou ont vraiment des difficultés à se faire des plaisirs. Donc, j'ai accompagné une jeune femme, c'était en lien avec sa robe de mariée, pour le coup, un des plus beaux jours de sa vie. Elle ne voulait pas s'acheter la robe de mariée de ses rêves parce qu'elle avait peur de dépenser alors qu'il y a de l'argent. Elle a un travail bien rémunéré. Comme quoi, ce n'est pas l'argent le problème. C'est qu'est-ce qu'elle se disait à propos de s'offrir une robe qui était la robe de ses rêves. Et donc, dans ces cas-là, le mouvement, c'est je m'offre aucun plaisir. Alors, c'est peut-être une fois par an, mais elles économisent plus vite, ces personnes-là, mais quand même, le mouvement est le même. Donc, ça, c'est quand on projette sur l'argent quelque chose de plutôt positif. Donc, si je pense que l'argent, plus j'ai d'argent, plus je suis sécure. Plus j'ai d'argent, plus je suis libre. Plus j'ai d'argent, plus j'ai de valeur. Donc, dans ces cas-là, bah, j'accumule l'argent. Deuxième mouvement, c'est l'inverse. L'image est assez symbolique, c'est quand je repousse l'argent. Si je projette que l'argent, c'est sale, c'est une charge mentale, c'est source de conflit, c'est injuste, ben, je vais avoir tendance à repousser l'argent de moi et donc je vais avoir du mal à me faire payer, je vais avoir tendance à mettre des prix bas, voire je vais choisir des métiers. Ma fille est dans ce cas-là, donc je suis très à l'aise pour vous en parler. J'ai oublié de vous dire, mais que j'arrive devant vous en toute humilité parce que moi, il n'y a pas une journée où je n'ai pas aussi à être confrontée à l'argent pour moi-même dans mon métier, mais aussi dans mon cercle proche. Voilà, j'ai une de mes filles qui me disait je ne mérite pas l'argent, donc elle veut faire des métiers que bénévoles. Voilà. Mon gendre aussi, pas mal de repousseurs dans ma famille, pourtant moi je suis écureuil plutôt, qui a fait de la musique, qui est à la haute école de musique à Genève et qui a fait un concert. Il n'était pas content de son moment où il a été soliste et il m'a dit bah, je ne vais pas accepter mon cachet. Donc voilà, ce mouvement, c'est vraiment là, je m'estime pas moi-même, je suis pas OK dans ce que j'ai fait, je veux pas l'argent, je mérite pas. Voilà, ça peut être des difficultés à relancer ses clients, à faire rentrer les factures, à oser accepter. J'ai eu le cas d'une femme accepter une donation, un héritage, une succession. Je repousse. Et le dernier mouvement, il est un peu plus complexe, celui-ci, mais je vous le propose parce que ça peut arriver. J'en ai de temps en temps des personnes dans mes groupes. C'est les montagnes russes. C'est-à-dire que je vais faire comme l'écureuil, j'accumule l'argent, je gagne suffisamment d'argent, et puis tout à coup, cet argent, c'est comme s'il me brûlait là, et je le dépense de manière compulsive. L'argent fout le camp. C'est-à-dire que, ou alors il m'arrive une tuile. Il m'arrive un effondrement du toit, une panne de voiture, ou quelqu'un qui ou une arnaque. J'ai eu le cas hier soir d'un monsieur qui témoignait qu'il a eu une problématique avec l'argent. Il a perdu 500 000 euros sur une histoire absolument improbable. Voilà. Donc ça, voilà les trois mouvements avec l'argent. Peut-être vous vous reconnaissez dans les trois, mais ça se voit au niveau de. Non, il y en a qui se reconnaissent. Ça se voit au niveau de votre compte en banque. L'écureuil, il pense qu'il n'a jamais assez d'argent, mais il en a sur son compte en banque. Voilà. Le repousseur, il est plutôt endetté. Il est dans des chiffres plutôt négatifs. Ça peut ne pas se voir et être compensé par le conjoint. Voilà. Et les montagnes russes, ben, ça rentre, ça part. Pas forcément tous les jours, hein. Ça peut être qu'une fois par an, mais c'est la façon dont l'argent part qu'il faut regarder. Donc déjà, voilà, prendre conscience de ces mouvements vous permet de prendre conscience de comment vous allez vous comporter. Voilà. Après, il s'agit de faire des pas supplémentaires. Je vais vous en proposer plusieurs. Le deuxième, c'est d'être au clair avec sa situation financière. Voilà. La plupart des gens que je rencontre ne font pas leurs comptes ou alors les font trop mettre un petit peu de rationnel dans les comptes. C'est déjà de vous poser la question, comment je me sens à l'idée de faire mes comptes?
et de regarder où j'en suis. Parfois, ben, on est plutôt dans les peurs de qu'est-ce qu'on pourrait voir. Moi, je dis qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise en se penchant dans ses comptes, déjà. Et puis même s'il y a une réalité qui n'est pas agréable à regarder, mieux vaut la regarder et faire ensuite prendre des décisions éclairées pour piloter sa vie ou pour piloter son organisation. Voilà. Je vois des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui du coup le gardent de côté, n'investissent pas pour leur projet de vie, pour des projets d'entreprise. Hein. Hier, il y avait des dirigeants qui me disaient, je n'investis pas, donc du coup, je ne crains pas de développer mon entreprise. Et à l'inverse, une personne qui disait, je continue à me payer des formations de développement personnel qui coûtent super cher alors que je n'ai pas assez d'argent. Est-ce que c'est encore juste et OK de dépenser, virgule pour l'instant, il faut peut-être prendre d'autres décisions. Donc vraiment, ça, c'est un autre pas de transformation, de vous mettre au clair de manière ajustée. Encore une fois, entre faire ses comptes tous les jours et pas les faire du tout, il y a une marge. Qu'est-ce qui est juste et bon pour vous? Un autre pas qui est de vous regarder en face. L'argent nous fait travailler l'estime de nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous donne de la valeur? Vous n'êtes pas votre situation financière. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes riche de tout ce qui est votre savoir-faire, vos connaissances, vos compétences, vos talents. Et pour ceux et celles qui ont du mal à fixer des prix, déjà, je vous invite à ne plus jamais dire je me vends, j'ai du mal à me vendre. Au secours, les mots ont leur poids et vous mettent une pression. Vous vendez vos talents, vous vendez de l'expérience, vous vendez des certifications que vous avez. Demandez aux personnes que vous accompagnez de faire des témoignages parce que c'est bon à recevoir. C'est bon aussi pour pouvoir communiquer ce que vous faites et ce que vous êtes parfois par les autres. C'est plus facile qu'on nous fasse des retours. Mais voilà, j'aime bien cette expression qui dit si vous ne vous donnez pas votre propre valeur, vous ne trouverez personne pour augmenter votre propre prix. Donc prenez ce temps de, notamment en tant qu'entrepreneur ou dirigeant et même dans votre période de transition professionnelle, cherchez un métier en face et en phase et aligné avec qui vous êtes vraiment. Ça va beaucoup vous aider plutôt que de choisir un métier en lien avec qu'est-ce qui va me permettre de gagner suffisamment d'argent, certes, mais qu'est-ce qui vous met en mouvement? Voilà. Et l'autre pas, c'est de mieux comprendre comment s'est construit votre rapport à l'argent. On n'a pas ces peurs et ces croyances ne viennent pas de nulle part. Et bienvenue dans le monde des humains. Nous sommes influencés par notre lignée directe, hein, nos parents. D'ailleurs, l'argent commence à rentrer dans notre vie très tôt, dès notre conception, parce que nos parents, quand on arrive dans la famille, ils ont eux-mêmes une situation par rapport à l'argent. Est-ce que nous sommes désirés? Est-ce que tout d'un coup, on est un fardeau pour nos parents et une charge financière? C'est mon cas. J'ai toujours eu l'impression que je ne méritais pas, que je pouvais être une charge pour les autres, donc j'ai eu du mal à demander de l'aide. Demander de l'aide, demander de l'argent, c'est compliqué. Quels sont aussi vos premiers souvenirs avec l'argent? Quand vous demandez à vos parents ou l'un de vos parents pourquoi ils partent de la maison, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Je vais travailler. Ah ouais, puis je vais travailler. Pourquoi tu vas travailler? Alors, pour gagner de l'argent, voire même pour gagner ma vie. Et du coup, déjà enfant, on peut voir aussi, selon les métiers qu'ont choisi nos parents, que peut-être à force de vouloir gagner leur vie, ils ont perdu leur santé. Et du coup, je vous invite aussi à faire attention à cette expression de « je ne gagne pas bien ma vie ». Votre vie, vous l'avez gagnée à la naissance. Il s'agit plutôt de décider si vous gagnez suffisamment d'argent ou pas, et donc peut-être de prendre d'autres décisions si vous ne gagnez pas suffisamment d'argent. Mais de penser qu'on gagne sa vie, ça met un poids supplémentaire, de penser qu'on peut la perdre du coup. Et certains s'épuisent à tellement vouloir gagner leur vie qu'ils la perdent au travail. Donc comment s'est construit votre rapport à l'argent? Dès l'enfance, vous avez entendu parler du travail, de l'argent, de voir vos parents peut-être s'épuiser, qui pensaient qu'il faut travailler dur pour réussir et gagner de l'argent dans la vie. Vous avez peut-être entendu aussi des choses et des croyances sur les riches, les pauvres,
Les riches sont malhonnêtes, mais les pauvres aussi. Voilà, plein de mots, d'expressions comme ça qui nous collent à la peau. Cette fameuse jeune femme qui ne voulait pas s'offrir sa robe de mariée, en fait, en discutant ensemble et en travaillant à cette transformation, elle avait toujours entendu dire par son père qu'elle était une pince. Et du coup, bah oui, je suis une pince. Et donc, elle continue à se comporter et à croire qu'elle l'était et à ne pas oser lâcher son argent facilement, compris pour cette robe qui était importante pour elle. Donc voilà, dans cette histoire avec notre argent, on en détecte des croyances, on en détecte des peurs. Et celles les plus, là j'ai juste mis les plus fortes et les plus importantes que j'entends en lien avec l'argent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Auquel cas, je peux mettre aucun plaisir dans mon activité professionnelle ou ne pas choisir mon métier de cœur, hein. Le grand succès, ce n'est pas pour moi. Donc, je peux me limiter dans la réussite de mes projets. Et aussi, si je mets des prix plus bas, j'aurai plus de clients. Donc, ça, c'est vraiment une croyance qui n'est pas juste. Parce que d'ailleurs, vous, quand vous allez acheter quelque chose, est-ce que vous achetez systématiquement ce qui est le moins cher ou pas? Et qu'est-ce que vous mettez derrière ces prix? D'ailleurs, trop cher ou pas assez cher, c'est vraiment une perception. Chacun, pour certains, ça va être cher, pour d'autres, ça va être pas cher. Ce n'est que de la perception. Par contre, osez parler avec vos clients de la notion de prix et surtout de la ramener au fait que les clients achètent une valeur perçue. Et ce n'est pas vous qui achetez, mais c'est ce que vous amenez, ce que vous apportez. Ça, oui, ce serait une piste. Quand nous identifions nos croyances et nos loyautés familiales en lien avec l'argent, nous pouvons casser nos plafonds de verre. Les plafonds de verre, ce sont ces limites qui nous empêchent de grandir. Du coup, vous voyez, cette conférence sur l'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gagner de l'argent, bien au contraire, remettre l'argent à sa juste place et lui permettre de nous réaliser, de réaliser nos projets. D'avoir suffisamment de revenus pour continuer, c'est important. Et j'observe que ces croyances limitent beaucoup, beaucoup d'êtres, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, non seulement par rapport à ce qui rentre, même aussi la fortune plus largement, mais aussi par rapport au succès et à la réussite qui est très en lien avec notre visibilité. Est-ce que nous osons nous rendre visibles, communiquer sur ce que nous faisons? Mettre une photo, un post. Voilà, pour certains, là ce matin, j'avais au téléphone un monsieur qui me disait qu'il a fait pourtant déjà tout un travail sur la relation à l'argent avec Christian Junot. Et il me disait, tu vois, je n'ose pas mettre des posts sur les réseaux sociaux. Donc je lui dis, bah, c'est pas que tu n'aimes pas les réseaux sociaux, ça peut être OK, hein. Non, non, j'ai peur qu'on me voie. Je me dis qu'il y a déjà tellement de choses que moi, pourquoi moi je mettrais quelque chose? Vous voyez, là c'est très en lien avec ce qu'il se dit à propos de lui-même. Ça peut être aussi un chiffre. Hier, il y avait une personne qui est un dirigeant dans un milieu automobile, donc il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Lui, s'est fixé un plafond et il me dit, je ne sais même pas d'où vient ce chiffre, c'est 100 000. Voilà, en dessous et au-dessus de 100 000, il a du mal à piloter son entreprise, il est dans ses peurs. Voilà, donc vous voyez à quel point ça nous fait aller chercher en profondeur qu'effectivement, ce rapport à l'argent, il nous fait aller en profondeur et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut nous donner des informations très précieuses sur nous-mêmes et comment nous fonctionnons, pardon. Et que l'enjeu, c'est de retrouver sa sécurité intérieure plutôt que de demander à l'argent de nous la rendre ou de nous la donner. Mais ça parle de nos peurs de manquer, nos peurs de perdre le contrôle. Et du coup, comment être sécure, même que j'ai de l'argent ou que je n'ai pas d'argent. Comment être sécure, même sans tout contrôler, même sans savoir où je vais, même sans savoir ce qui va se passer. Ça peut avoir du bon, l'insécurité, ça nous pousse parfois à nous mettre en mouvement et à oser prendre des risques. La plus grande peur aussi, ça peut être même jusqu'à si j'ai pas d'argent, je meurs. Je vais me retrouver dans la rue, sous un pont. Et heureusement, que nous sommes quand même dans une culture où, pour certains, la peur. Moi, j'ai adopté mon dernier enfant en Afrique. Alors, il n'y a pas d'argent de toute façon, hein. Donc,
Eux, ils ont développé autre chose que nous avons peut-être perdu, qui est la solidarité. Et moi, finalement, je rencontre des gens qui, si je vous demande même à vous-même, si, au moment de mourir ou à la fin de votre vie, vous serez heureux si quoi? Si vous avez gagné beaucoup d'argent ou si vous avez bâti des relations de qualité, des relations qui permettent de se soutenir les uns les autres. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi que je vous propose de développer. Et du coup, pour cultiver une meilleure relation à l'argent, il y a plusieurs pas. Prendre conscience de vos comportements. Continuer à regarder comment vous pouvez être au clair avec votre situation financière, comment vous faites vos comptes. Il y a quand même un chemin d'aller oser libérer vos loyautés, vos croyances familiales en visitant votre histoire avec l'argent. Donc déjà, si vous avez envie, vous pouvez vous poser les questions que je vous ai posées là. Voilà, comment ça s'est passé à ma naissance? Que disaient mes parents sur l'argent, mais peut-être même mes grands-parents? Est-ce qu'il y a eu des faillites, des guerres, des héritages qui sont mal passés? Regardez ça. Apprenez à vous aimer davantage en vous détachant du regard des autres. C'est le pas pour cultiver sa sécurité intérieure. Et puis, et de cultiver aussi votre état d'esprit. Est-ce que vous avez tendance à vous placer dans un état de manque ou d'abondance? Est-ce que vous avez tendance à regarder ce que vous n'avez pas? Est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà? Ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà accompli, vos ressources intérieures. Et donc, je vous propose une pratique simple et puissante qui est de dire merci, d'être reconnaissant à chaque entrée d'argent, mais aussi à chaque sortie d'argent. Pourquoi? Pour que l'argent circule. Pour que l'argent circule à travers vous, pour vous permettre ni de vous accrocher à l'argent, pour ne pas qu'il parte, mais ni non plus de ne pas accepter qu'il rentre. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a des pas pour transformer sa relation à l'argent derrière, c'est un chemin. mais continuez à vous observer avec bienveillance. Peut-être, voilà, vous penserez à moi et à cette conférence dans les prochains jours, quand il s'agira de payer le restaurant ou autre. Il existe un livre de Christian Junot qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous. Et puis, voilà, moi, je propose des ateliers de transformation. Il y en a un, le prochain, c'est le 16-17 novembre en Savoie, mais il y en aura d'autres. En collectif, c'est intéressant parce qu'il y a des résonances, on peut échanger, mais aussi en coaching individuel. Bah, c'est ce que tu as fait, Nathalie. Merci de l'avoir témoigné pour aller plus loin. Et pour, voilà, c'est pas facile parfois de faire ça tout seul. Mais je vous ai déjà donné des clés, donc j'ai confiance que peut-être vous pouvez tendre vers ce quatrième mouvement, qui est de ne plus avoir de projections inconscientes sur l'argent. C'est-à-dire que les projections, on en aura toujours, mais de devenir plus conscient de ce que vous projetez et voilà, quand je prends mes décisions, est-ce que ça part d'un endroit de peur? Et auquel cas, il y a de fortes chances que vous générez, vous attirez là où vous en êtes. Ou est-ce que ça part d'un endroit de confiance et de sérénité? J'ai un dirigeant l'autre fois qui m'a dit une chose que je reprends, je le remercie, parce qu'il a dit, tu sais, j'ai observé que les décisions les meilleures que j'ai prises, c'est celles quand je me suis connectée à mon cœur, celles quand je me suis connectée à mon intuition profonde. Et j'étais dans la foi que quoi que je décide, ça allait bien se passer. Voilà, donc c'est profondément ce que je vous souhaite, en tout cas. Et je vous remercie. Je vous invite à remettre l'argent à sa juste place dans votre vie, à l'aimer pour ce qu'il est, ce qu'il vous permet de réaliser votre besoin de sens et de ne pas dire que vous prenez l'argent, mais peut-être que vous pouvez donner et recevoir. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci beaucoup pour tous ces beaux mots. Avant d'ouvrir pour le petit partage et donc d'arrêter l'enregistrement, je boucle la boucle en vous faisant bon réatterrir avec donc l'instant Z un petit peu le cadre de tout et le lien finalement qu'on fait avec le rapport à l'argent et ce que nous on propose. Donc là j'ai mis les différentes formations à la gouvernance partagée et les prochaines. On a un parcours de formation et pourquoi en fait je fais le lien avec l'argent et la gouvernance partagée. Bah, dans la gouvernance partagée, ça requiert des certaines postures, certains comportements, certains états d'esprit justement dans de l'assertivité, de l'autonomie, de la responsabilité.
Et ça demande d'être un petit peu, finalement, s'être déjà posé les questions, justement. Quel est mon rapport à soi? Quelle est la valeur que je me donne? Donc, le rapport à l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce lien. Formation fondamentaux en Suisse, les prochaines dates et facilitation aussi. Et puis, il y a d'autres dates qui sont sans cesse proposées aussi en France. Donc, suivez sans autre notre site. Et puis, si vous explorez seul et que vous voulez mettre un premier pas, c'est vraiment la formation fondamentaux qui est la formation de base et qui nous permet justement une introduction et puis de venir démarrer cette exploration. Et puis pour rappel, on a tout un environnement. Ça, c'est un exemple justement de notre philosophie à l'instant Z, c'est de proposer des choses comme ça qui n'ont pas de prix, justement, et qui sont dans l'Académie Z. On a aussi des supports de cours, une carte diagnostique, une constitution. Enfin, il y a beaucoup de ressources à la disposition de tous. Je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Et puis comme ça, on pourra ouvrir l'espace pour des discussions. Merci à tous.